Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Tête Sol pour un nouveau tutoriel créatif. La fête des mères, c'est dans 2 jours, mais aujourd'hui, je vous propose mon premier tutoriel pour réaliser ensemble un projet pour les papas, puisque la fête des mères qui arrive toute proche, je vous ai proposé plusieurs projets, et je pense qu'il est temps de commencer à préparer les projets pour les papas. Donc, je me suis inspirée du tutoriel réalisé il y a 2 ou 3 ans par ma marraine, Jennifer. Je l'ai modifié. Déjà, elle n'a pas utilisé la même collection du tout. Et en plus de ça, moi, j'ai doublé. J'ai rajouté une pochette ici pour y glisser quelques billets. Donc, je ne vous ai même pas dit ce que c'était. Il s'agit d'un portefeuille réalisé avec la collection de version homme, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le spécialité version homme, c'est ça. Il y a la série de papier qu'on va utiliser. Il y a les tampons, il y a les poinçons assortis qui permettent de réaliser pas mal d'étiquettes, et il y a aussi nos très beaux pois métalliques rustiques que j'ai mis ici. J'utilisais l'étiquette, les découpes et le papier. C'est 100% cette collection. Et ici, j'ai utilisé l'encre couleur café. Donc, c'est un portefeuille qui se ferme par des scratchs. Ici, nous avons une pochette pour mettre, par exemple, une carte cadeau. Ici, nous avons la pochette pour la petite carte qui est recto verso comme ceci. Et sur lequel on peut mettre notre petit mot, notre petit message. Et nous avons en plus ici un espace pour y glisser au choix des billets. Ce qui fait que ce projet, vous pouvez mettre au choix une carte, cadeau d'un magasin ou des billets. Ça marche pour les deux, ou même un chèque. Et je l'ai fermé par 2 scratchs parce que je voulais que ça ferme très bien. Donc pour réaliser ce projet, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Je vais toujours utiliser la même collection, donc le set de tampons, les poinçons. J'ai utilisé également notre pyramide de cercle avec le petit cercle festonné ici, le plus petit, pour réaliser les découpes ici et ici. Ici. Et ici, vous voyez passer derrière la carte, pour montrer que c'est bien une pochette, en fait. J'ai réalisé les ouvertures avec les petits cercles. Voilà pour le matériel. Et cette fois-ci, je vais utiliser de l'encre ocre roussillon. Alors, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que j'utilisais couleur café et ici ocre roussillon. Ce sont des encres que j'utilise très peu. Parce que le marron, ici c'est un orangé brun. Le marron c'est pareil, enfin c'est des couleurs que je scrape très peu. Donc moi je suis plutôt vert bleu, le orange en fait, orange jaune marron, c'est pas des couleurs que je scrape beaucoup. Je suis plutôt vert bleu, un peu de rouge et peut-être un peu tout ce qui est parme violet. Mais le reste c'est pas trop mon truc. Donc, ça me permet d'utiliser d'autres couleurs et de sortir de ma zone de confort. Donc, on aura toujours besoin de nos pois. Vous allez pouvoir préparer des stampings dimensionnels. À un moment, j'ai utilisé également notre double face qui se découpe facilement. La colle. J'ai rectifié quelque chose avec des ciseaux. Et là, j'ai déjà réalisé toutes mes découpes. Alors bien sûr, on va faire les plis ensemble. Je vous donne toutes les mesures. Mais sachez que de toute façon, comme d'habitude, je vous invite à aller en barre d'infos. Et dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers le blog avec, comme d'habitude, la liste du matériel utilisé, ainsi que toutes les découpes, les pliages. Il y a le plan de coupe à télécharger. Donc, on va prendre notre massicot. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il faudra que je nettoie mon massicot. C'est pas bien. Il y a un petit peu de colle. Je vais faire ça après.
Donc en premier, je vais vous d'abord vous donner toutes les mesures avant de faire quoi que ce soit. Donc on aura besoin, je regarde ce que j'ai noté, un morceau de, c'est dans ce sens-là, oui, 20,4 par 18 cm. Ensuite, on aura besoin de morceaux de 5 cm par 10 cm. C'est pour réaliser les petites poches dans le bas de notre portefeuille. Ensuite, pour la fermeture du portefeuille, notre fermeture scratchée, on a besoin d'un morceau de 5 cm par 2. Ensuite, pour la petite carte, on aura besoin d'un morceau de 8 cm par 9, un deuxième aussi, mais de l'autre papier design, pour les coller recto verso et ainsi avoir notre carte assortie à notre portefeuille, et un morceau de papier blanc simple de 7,5 par 8,5. Pour le portefeuille en lui-même, c'est tout ce qu'il faut. Par contre, pour les décorations, je vous invite à regarder pour garder des chutes soit de ce papier-ci ou de l'autre papier. Pour les découpes, en fait, puisque si je reprends mon projet, vous voyez que j'ai réalisé des découpes ici, ici et la découpe étiquette. Et on aura aussi besoin de chutes de papier blanc pour l'étiquette ici et à l'intérieur ici, puisque c'était du papier blanc que j'ai tamponné en couleur café. Ici, on utilisera ocre roussillon. Donc voilà, donc préparez des chutes, ne rangez pas tout. Donc bah, c'est parti, on va commencer par le portefeuille en lui-même. Donc on va prendre notre grand morceau de papier, le plus grand, qui mesure 20,4 par 18. La première chose qu'on va faire, on n'a pas besoin de notre lame, on va prendre dans le sens des 18 cm qui sont ici, on va se placer à 9 cm qui est la moitié. Et on va réaliser un pli. Je viens déjà, oups, ça bouge, plier en me mettant bien, parce que le problème c'est que souvent ça se replace pas tout à fait bien, et moi je veux qu'il soit exactement du même niveau pour éviter. Vous voyez, même en faisant attention, on a quand même un petit, je ne sais pas si vous allez voir, un tout petit rebord. C'est pour ça que moi, j'avais fignolé avec des ciseaux. On verra ça après. Donc là, on a la base du portefeuille. Bien sûr, il faut qu'il plie encore. Donc là, on va encore faire un pli dans le sens des 20,4. On va venir faire un pli à 10,2, à la moitié. Et là, on a une double épaisseur à plier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plie des deux côtés pour appuyer. Donc il faut être précis. 10,2 pour être sûr que le papier soit bien plié. Là, je mets de côté. Et même chose. C'est ici que c'est un peu plus délicat. Voilà. Et vous voyez que même en faisant attention, on a quand même des petits décalages. C'est obligé, il y a l'épaisseur de papier qui vient. Ça fait la même chose quand on réalise des fois des reliures de mini-albums ou des pages dans des pages. C'est pas bien grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre les pochettes ici et ici. Et je vais venir avec un crayon de bois. Bon, je vais prendre le côté plus clair pour mieux le voir. Oh, quoique, non. Il faut à tout prix que je le mette ici. Je me place bien droite et je viens chercher le 5. Puisque notre pochette fait 10 cm de long, donc le milieu c'est 5. Je marque bien.
je prends ma machine de découpe. Hop là. Alors, je vais bientôt recevoir la plaque magnétique. Je suis assez pressée de la recevoir. Ça m'évitera de devoir faire ce que je vais faire là. Pour éviter que ça bouge, prendre un morceau de washi tape et de devoir coller. Donc, je me place à peu près où je le souhaite. Et je viens fixer mon dice sur la plaque et un petit peu sur le papier pour éviter que ça bouge. Et je réalise. Voilà, l'ouverture. Je vais fermer ça, éviter de me blesser. Hop, on fait attention. Voilà ce que ça donne. Donc, avant de coller, on va réaliser les ouvertures. Donc pour ça, je reprends ma machine de découpe et en fait je vais me placer je fais les marques à 10 cm. Enfin, je me place à 10 et je mesure 5 pour avoir le premier centre. Je suis hors champ, voilà. Une fois que j'ai le premier centre, je me place ici. Je prends un morceau de washi tape que je viens coller sur ma main pour éviter qu'il colle de trop. Et je viens coller sur la plaque et le papier. Je rabats. Je mets ma deuxième plaque. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, on a une légère marque, mais on n'a pas abîmé le portefeuille de l'autre côté. Ça, c'est des chutes de papier. On va faire la même chose de l'autre côté. On se place à 10. Hop, on cherche le milieu. Je viens fixer mon washi tape avec mon poinçon. Je ferme. Je fais mon sandwich. J'ai l'ouverture. Donc là, je vais pouvoir fermer mon portefeuille. Donc pour ça, je prends mon scotch double face. Voilà, et là je replie dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Ici on voit que c'est pas comme je voudrais, c'est pas grave. J'aime bien venir fignoler.
Et voilà. C'est vraiment pas grand chose. C'est quelques... C'est même pas un demi-millimètre. Et là, on est bien. On va pouvoir coller nos pochettes. Ici et ici. Donc pour les pochettes, c'est pas compliqué. On prend de la colle. Alors moi, j'en ai bientôt plus. Mon tube est quasi vide. Donc, quelquefois, c'est un petit peu compliqué à faire descendre le filet de colle. On vient se placer ici. Même chose sur le deuxième. Ça, c'est fait. L'étape suivante, on va s'occuper de la carte. Donc la carte, c'est pas bien compliqué. Hop, c'est comme ci et comme ça. On vient juste simplement coller. Recto verso. L'un sur l'autre, les papiers, en se plaçant exactement au même endroit. Ici, je regarde si ça ressort mieux comme ceci ou comme cela. Tout à l'heure, j'avais fait quoi? Elle était comme mon fond, comme ceci. Donc avant, j'avais utilisé notre perforatrice trio détaillée. Malheureusement, elle n'est plus au catalogue, à mon grand désespoir. C'était une perforatrice que j'aimais beaucoup. Non seulement pour arrondir les angles très facilement. Et en plus de ça, pour les petits, en particulier celui-ci, j'aimais beaucoup. Mais bon. C'est comme ça, quelquefois, on doit dire au revoir à des produits qu'on aimait. Ça faisait un paquet d'années qu'elle était au catalogue. Et voilà. Donc, si vous avez une autre perforatrice d'angle, il n'y a pas de souci. Et donc là, on va mettre la carte sur la carte. Vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà. Ici, on va tamponner un petit sentiment. J'ai envie d'utiliser le mot bonne fête des pères comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va utiliser le coloris ocre roussillon. Voilà. Et il a fallu que je trempe mon doigt. Voilà. La petite carte est prête également. Voilà, donc on a l'emplacement ici pour une carte fidélité et ici une carte cadeau ou alors le chèque ou l'argent. Donc on va s'occuper de notre petite ouverture, enfin fermeture, dans le sens des 4 cm. On va venir faire un pli à 2 cm.
on met de côté de quelques secondes et on va venir coller l'un sur l'autre. Et ici, dans les 5 cm, c'est ça, hein, 8, on vient à 2,5 et on fait un pli. C'est la fermeture. Donc on va venir la fixer. Donc on met de la colle ici. Alors, moi j'aime bien prendre la mesure pour savoir où est-ce que je suis. À 4,5 puisque il fait 9 de haut. Comme ça, je vois où je viens me placer. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre mes scratchs. Moi, j'aime bien que ça soit bien fermé. Alors, j'en mets deux. Et surtout, j'appuie bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la décoration. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. L'intérieur est presque terminé. Il nous manque une petite déco. Et l'extérieur, une petite déco. Donc, j'avais un petit peu envie de changer. Tout à l'heure, donc dans tous les cas, je sais que je vais utiliser ce set de poinçons, que je vais utiliser les deux décorations comme tout à l'heure, qui étaient ici, pour découper dans mon papier couleur café. Ensuite, je vais prendre cette fois-ci une découpe, je pense, arrondie, pour changer, et prendre l'un. Je pense que je vais prendre ensemble tout au long de la route pour mettre au centre. Et pour l'intérieur, je vais garder. Je l'adore ce mec parce que j'aime bien. Et puis le petit numéro 1. Donc je réalise tous mes tamponnages et mes découpes et je reviens vers vous. J'ai fait toutes mes découpes et mes tamponnages. Donc les deux découpes de motifs qu'on avait ici. Là, je les ai fait en couleur café. Notre papier qui était ici à l'intérieur pour que ça suit. Il va se placer comme ceci. Ici, j'ai fait une étiquette ronde pour changer. Mais je l'ai quand même tamponné avec l'encre ocre roussillon. Et je vais faire un décalé comme ceci puisque je l'ai tamponné sur le papier blanc simple. Mais j'ai aussi fait une découpe en coloris couleur café. Ça sera pour l'extérieur. Et à l'intérieur, je vais mettre cette petite étiquette, la même que tout à l'heure. Ici, la même chose, numéro 1. Je l'adore ce mec, en coloris ocre roussillon. Donc je réalise mes collages et on en aura terminé. Thank you.
nos deux petits portefeuilles dans deux couleurs différentes. C'est quasiment terminé. Il me reste une dernière étape. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon mari. Il est au téléphone avec sa maman. Et il parle un petit peu fort quand il est au téléphone. Alors, je ne vais pas pouvoir faire comme tout à l'heure. Je vais peut-être en mettre un sur la fermeture pour changer. J'en ai pris deux sans faire exprès. Bah alors. Comme ceci, j'aime beaucoup. Je réfléchis. Hein. On va mettre un ici. J'aimerais bien en mettre un quand même sur l'étiquette. Un ici et un petit dernier. Comme ceci. Voilà. Je suis satisfaite. Donc voilà les deux créations. Même principe, mais un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. J'avoue que j'aime beaucoup la couleur ocre roussillon, même celle-là, je trouve qu'elle conviendra peut-être à plus de monde. Mais celle-ci, elle est très jolie. Elle fait plus Jones, on va dire, à mon goût. J'aime bien. Celle-là, elle fait peut-être un peu plus classique. Donc voilà. Pour être franc, je pense offrir celle-là à mon papa, qui est un bricoleur. Donc, à cet homme qui sait tout faire. Et celle-là, peut-être pour mon mari, parce qu'ensemble, tout au long de la route, c'est ce que j'espère. Ça fait déjà un paquet d'années. Bientôt 25 ans. Donc, j'espère encore autant. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer mardi. Peut-être une carte pour les papas. Parce que là, c'est plus une pochette cadeau. Peut-être une carte un peu plus classique. Et peut-être que je vais aussi vous proposer une boîte pour les papas aussi. Une boîte un peu plus masculine. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mardi. À bientôt !